Good morning. Allez, Iden, l'étude sur aujourd'hui, le Nishmat, Yaakov ben Aïcha, Abraham, Chayin, Robert, Ben Fortune, Mazali, Deda, Batester, Chaya, Batlova, Rachamim, Ben Rosa, si vous souhaitez aussi dédier la prochaine étude de Mishnah, comme la 5e unité éternelle. Nous étudions Masechet Bechorot, Perektet, Mishnah Gimel, Halakouach, Oshinitano, Ben Matana, Patur, Mima, Aser, Behema. Heachin, Ashutafin, Shechayavin, Bekalbon, Turin, Mima, Aser, Behema, Bechayavin, Ben Maser, Behema, Turin, Mina, Kalbon. Tano, Mitfusata, Bait, Chayavin. אם לאו פטורין, חלקו וחזרו ונשתתפו, חייבין בכלבון ופטורין ממעשר בהמה. On traduit directement à la couach au shenitano bematana, un animal qui a un bechor, qui a été acheté ou qui lui a été donné en cadeau, eh bien, patur mimaaser behema. Il est dispensé du Maaser Bema, il ne rentrera pas dans le compte du Maaser Bema. Je m'explique, c'est très simple. J'avais dans mon troupeau 9 nouveaux-nés dans l'année, dans la dernière saison, 9 petits moutons qui sont nés, et puis j'ai en plus de ça acheté un 10e mouton d'un voisin, peu importe, et puis maintenant donc, j'en ai 10 chez moi. Question, est-ce que je dois prélever le Maaser Bema ou non ? Réponse, non. Pourquoi ? Le Maaser Behema, c'est que de ce que tu as, ce qui est né chez toi. C'est déduit ça d'un pasouk, un peu délicat la déduction, elle est rapportée dans le Bartanois, c'est qu'il y a marqué dans le pasouk, « Bechor banecha titenli, ken ta'ase leshorecha letzonecha. » Les Bechor banecha titenli, les aînés de tes enfants, tu me les donneras, ken ta'ase leshorecha letzonecha. Ainsi, tu feras à ton taureau et à tes bovins et à tes ovins. C'est-à-dire qu'en fait, la Torah ici, elle a juxtaposé le Bechor Behema au Bechor Adam, c'est-à-dire le Bechor qu'on prélève, le Bechor, le rachat du Pidyon HaBen des enfants premiers-nés, au Bechorot, tout d'abord, avant de parler du Maaser. Pour le moment, c'est juxtaposé avec les Bechorot. Et on déduit de là quelque chose d'important. Au même titre que tes enfants, c'est pas quelque chose que tu peux acheter. Alors la même chose aussi, les mitzvot que la Torah elle t'impose de faire avec tes bêtes, avec tes animaux, ce ne sera pas avec ce que tu as acheté, mais c'est ce qui grandira, ce qui naîtra chez toi. D'accord ? Maintenant, il y a un problème technique, c'est que le pasouk, pour le moment, il est en train de te parler des bechorot, des aînés. Or, notre but, c'est d'aboutir au maaser, au prélèvement des animaux, du 10e animal. Eh bien, c'est déduit du fait que la Torah elle, a tué des expressions « qu'elle t'a assez » les shorecha, les chamorecha, les tsonecha. Ainsi, tu feras. Qu'est-ce qu'on peut faire? La kdusha du bechor, ce n'est pas quelque chose qu'on fait activement. C'est dès que le bechor est né, il est kadosh. Ça ne dépend pas de nous. Donc, quelle est la kdusha qui dépend de toi? Forcément, c'est le maaser bema, c'est comme ça que c'est déduit. Donc, on déduit de là que le maaser ne concerne que ce qui est né chez moi. D'accord? Ça, c'était la première partie de la Mishnah. Donc, on retient que ce qui naît chez moi. Maintenant, deuxième partie de la Mishnah, je vous fais une petite introduction, comme ça nous permettra de lire et de comprendre plus vite. C'est de parler, cette fois-ci, de la shoot-foot, de l'association. C'est-à-dire, la Torah d'abord a insisté, aussi un pasouk avec le même type de drachar, un pasouk qui parle des Bechor, mais qu'on va appliquer sur le Maaser Behema, en tout cas où la Torah a insisté en te disant, « Yé l'echa », ce que tu auras à toi, pour exclure l'echa velo lachem, à toi et pas à ton shoot-af, pas à ton nom, à ton associé. On déduit de cette drachar, tout d'abord, que le Maaser Behema n'est en vigueur que si je suis le seul propriétaire de mon troupeau. Si j'ai un associé avec mon troupeau, je suis dispensé du Maaser Behema. Premièrement, première donnée, d'accord ? À la différence, entre parenthèses, du Bechor. C'est très compliqué, comment c'est déduit ? Il y a des grands problèmes. Mais en tout cas, le Bechor, si j'ai un animal, une vache, en copropriété avec quelqu'un, et avec un juif, pas avec un goy, une vache en copropriété avec un juif, elle nous fait elle met bas un premier né mâle, eh bien, on aura mis ça de Bechor. Pour le Maaser Behema, il n'y a pas ça. C'est-à-dire, si j'ai même 20 vaches en association avec mon ami, donc en fait, concrètement, on en a 10-10, mais pour le moment, on est associé. Donc ça fait sur chaque vache, on est à moitié propriétaire. Et puis, on va avoir 20 nouveaux veaux qui vont nous naître à l'année. Il n'y aura pas du tout de Maaser Behema. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est né en association. Et la Torah insiste sur Yelecha, ce qui naîtra chez toi. Ça, c'est le premièrement. D'accord ? C'est l'essentiel de notre Mishnah. Maintenant, bien sûr, on va jongler avec deux notions. Tout d'abord, une deuxième halakha qui touche aussi au halakhot des Bechorot,
c'est le kalbon. Sûrement, ceux qui ont fait Khulin avec nous, ils se souviennent que c'est des choses qu'on connaît, qu'on a déjà touchées. Il y a effectivement une Mishnah dans Khulin. Dans le premier Perek, enfin du premier Perek de Khulin, là-bas, on a un premier kasher baiser, pas seul baiser, il y avait toute une liste de Mishnahites comme ça. Et en tout cas, il y a une halakha particulière. La mitzvah de donner le machatzit à shekel, il faut tous les ans, en Hadar, on donne pour les sacrifices de la future année. Eh bien, chaque juif, il devait donner un machatzit à shekel, un demi-shekel de l'époque, une pièce en argent. Maintenant, la Torah insistait, tu donnes un demi-shekel, pas un shekel entier. Il faut savoir, à l'époque, les pièces avaient leur pesant d'or, pesant d'argent, donc c'était de l'argent. Maintenant, pour pouvoir ensuite reprendre le demi-shekel et le former en un seul shekel, il fallait payer une petite taxe au changeur, au je ne sais pas comment dire, à celui qui va le soudre. J'ai oublié le mot, il m'échappe, c'est pas grave, l'orfèvre, maintenant je trouve que c'est pour l'or, alors pour l'argent, comment ça s'appelle, je ne l'ai plus, c'est pas grave. Donc en tout cas, on a donc deux tsoref en hébreu. C'est pas grave. En tout cas, il y a donc pour prendre, quand on voulait faire un shekel entier, il fallait prendre deux demi-shekels et les coller, et maintenant il fallait donner un petit supplément pour le tsoref, celui qui va le souder, celui qui va travailler l'argent. Pour en former une seule pièce, il fallait lui donner une petite taxe. C'est le fruit de son travail, quoi. C'est ce qu'on appelle un kalbon, le deux kalbon, concrètement. Chaque demi, il doit rajouter un petit kalbon pour qu'ensemble, on puisse former une nouvelle pièce. C'est une taxe, en fait, concrètement, c'est les frais de change. D'accord ? C'est un peu les frais de change de l'époque, où pour pouvoir prendre les pièces et puis les souder en une pièce. Maintenant, donc il s'avère que toute personne qui donnait un machatzit à shekel, qui payait un demi-shekel pour en payant sa cotisation annuelle, il devait rajouter une petite taxe d'un kolbon. Mais mieux que ça encore, si toutefois deux personnes vont vouloir venir ensemble et vont dire pourquoi je vais payer moi un demi-shekel et plus la petite taxe, et lui un demi-shekel plus la petite taxe. Pourquoi il y a la petite taxe? Pour pouvoir le souder et en refaire un. Voilà, on donne ensemble un shekel. Et bien malgré tout, on a imposé de payer cette petite taxe du kolbon. D'accord? À une exception. C'est si moi, je paye pour d'autres personnes. Alors là, Khachamim m'ont dit, ah, tu payes pour d'autres personnes, et bien dans ce cas-là, tu seras dispensé du kalbon. Voilà les deux notions avec lesquelles on va jongler. Parce que là maintenant, ça va se compliquer un petit peu plus. On va parler à présent maintenant, donc je reviens, je fais le point. On a introduit deux notions et on va jouer sur ça, sur deux formes de copropriété. Je vous explique. On va se retrouver avec quatre situations. Pour le moment, on a parlé de l'alakha. Donc du Bechor qui naît en association, qu'on est dispensé du Bechor si c'est en association, et on a dit que par contre, lorsqu'on va payer le machatzit à shekel en association, eh bien il faut quand même rajouter cette petite taxe, que chacun paye cette petite taxe de deux kalbon. Un kalbon, la petite taxe s'appelle un kalbon. Maintenant, on va évoquer maintenant deux formes d'association. L'association classique, c'est que moi, je m'associe avec une personne, on met chacun la moitié du capital, et ensemble on a maintenant un capital qu'on travaille à deux, on le fait fructifier, on achète, on investit, on revend et tout ça. Mais il y a une autre forme d'association, c'est l'héritage. Deux frères qui héritent de leur père. Eh bien, lorsqu'ils vont hériter, tant qu'ils ne vont pas partager, ils ont la possibilité, s'ils veulent, de vivre encore en association, de laisser les biens du père tels quels, et de les gérer tels quels, en investissant et en gagnant des fruits, tout ça. Et, d'accord ? En laissant pour le moment l'argent du père tel quel. Lorsque l'argent du père il est tel quel, et qu'ils sont tous les deux en train de profiter, d'exploiter tel quel, eh bien, c'est une association très particulière. On ne considère pas que ce sont deux associés étrangers. On considère qu'en fait, c'est encore le père qui est encore vivant, comme si il perpétue un peu le père avec la gestion de la maison, comme si le père est encore là en train de gérer. Ils sont quelque part invités chez leur père, en fait. C'est quelque chose de très particulier, ça s'appelle la Tfusa Tabait. On l'a déjà évoqué quand on a fait Baba Batra et qu'on a fait Khulin, et quand on a déjà eu l'occasion d'en parler plusieurs fois, on réexplique encore une fois. Donc en fait, on a deux formes d'association. On a une association où c'est vraiment deux étrangers qui viennent et qui s'associent. Mais il y a encore une autre forme d'association où en fait on est associé parce qu'on continue le défunt. Et puis, alors on continue le défunt, on considère que c'est le défunt qui est encore là en train de nous gérer. Et là, dans cette association, ça va être très particulier.
ça va être très particulier parce que on va considérer que maintenant, lorsque nous on va manger de cet argent, eh bien on n'est pas en train de manger de notre propre argent. C'est comme si c'est le père qui est là en train de leur donner à manger. D'où l'application très originale qu'on va découvrir justement dans notre Mishnah, qui va nous enseigner ben, de ce fait, si toutefois le père il a laissé des troupeaux, un troupeau, et que le troupeau, il y a eu 10 nouvelles vaches, veaux qui sont nées, vaches ou veaux, peu importe, mâle ou femelle, c'est la même chose, on a eu 10 nouveaux-nés qui sont nés, et bien on va devoir prélever, même si on, apparemment on est associé, on est les deux frères associés. Donc on a dit quand on est associé, on ne paye pas, on n'a pas de maaser, et bien là il y aura un cas de maaser. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas deux étrangers, on est une seule personne, on est le père. Idem encore, lorsqu'on va vouloir prendre cet argent du capital que le père il a laissé, pour payer notre machatzita shekel, on est deux frères, donc on va payer le machatzita shekel, on va payer donc un shekel entier. On ne devra plus rajouter le kalbon, les deux kalbon. Pour quelle raison? Puisque lorsqu'on va rajouter le kalbon, puisque lorsqu'on va payer avec cet argent-là, eh bien c'est pas que moi je paye de ma poche et lui paye de sa poche et on s'est retrouvés ensemble en train de payer ensemble. Non. C'est un étranger, c'est le père qui est en train de payer pour nous. Si c'est un étranger qui paye pour nous, alors on a dispensé du kalbon. Si vous avez compris ça, eh bien on peut directement tout traduire à la Mishnah. Et achin ashutafin shechayevin bekalbon. Lorsque tu verras deux frères associés qui sont imposables du kalbon, qui devront payer cette petite taxe du kalbon. Donc, on parle de deux frères associés particuliers qui n'ont pas hérité de leur père tel tel, mais qui se sont en fait séparés et après ils se sont réassociés. Lorsqu'ils se réassocient, c'est deux étrangers qui viennent ensemble. Alors dans ce cas-là, ils seront chayav bekalbon, ils seront imposés de payer le kalbon. Alors dans ce cas de figure, ce sera le signe distinctif pour que tu déduises Ptourin, mais Maaser Bema, ils sont dispensés de prélever le Maaser Bema, puisque ce sont deux corps étrangers qui sont venus s'unir, et bien dans ce cas-là, ils sont dispensés de payer le Maaser Bema, parce que les Shutafim, les associés, sont dispensés du Maaser Bema. Par contre, Veshraevin Bema Maaser Bema, lorsque tu verras deux frères associés qui sont imposables de la misva de Maaser Bema, ils sont imposés de faire le Maaser Bema, de prélever les animaux. Donc, déduit de là que ce ne sont pas deux étrangers qui se sont associés, mais qu'en fait, ils sont en train de continuer le patrimoine du père, alors dans ce cas-là, Ptourin Mina Kalbon, ils seront dispensés dans ce cas-là de payer le Kalbon. D'accord? Pourquoi? Puisque dans ce cas-là, c'est plus leur bien personnel associé, mais c'est plutôt l'héritage du père qui continue à vivre. Et la Mishnah continue en me disant, ben, Kanum Bitfusa, maintenant, bon, tu m'as dit lorsqu'ils sont Khayav, lorsqu'ils sont Patour, du Maaser Bema, mais quand je sais, quels sont ces deux exemples, ces deux cas de figure d'association? La Mishnah enseigne, Kanum Bitfusa Tabait Khayavin, s'ils ont acheté avec la Tfusa Tabait, avec ce qu'ils ont, ce qu'ils détiennent des biens du père, ça s'appelle la Tfusa Tabait, le patrimoine du père qui n'a pas encore été séparé, alors dans ce cas-là, Khayavin, ils seront Khayavin du Maaser Bema, Vimlav. Par contre, non, je reprends. S'ils ont acheté avec les biens du... Ouais, c'est ça. S'ils ont acheté avec les biens du père que le père il a laissé, alors Chayavin, ils seront Chayav du Maaser Behema. Exact. Et Ve'imlav, par contre, s'ils n'ont pas acheté avec les biens du père, mais plutôt ils ont rajouté un petit peu de leur poche, alors dans ce cas-là, Ptourin, ils seront dispensés du Maaser Behema. Lak Chalkou Ve'chazrou Ve'nishtatfou aussi, toutefois, ils se sont séparés, ils ont partagé les biens. Et puis finalement, Ve'chazrou Ve'nishtatfou, ils sont revenus se réassocier. Alors, la Mishnah m'enseigne, Chayavin Bekalbon, ils seront dans ce cas-là imposables ou imposables du Kalbon, de payer chacun son Kalbon, cette petite taxe lorsqu'ils vont payer le Machatzita Shekel, parce qu'en fait, c'est deux corps étrangers qui sont venus s'unir concrètement en train de payer ensemble, mais chez chacun il est imposable, indépendamment, tandis que Ptourin et Maaser Bema, ils seront dispensés de payer le Maaser Bema, étant donné que maintenant ce sont deux associés sont dispensés du Maaser Bema. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, Salam.